bonsoir les petits potes. Du coup, vous avez vu tout à l'heure que la boutique était disponible avec un nouveau pack que je me suis acheté juste après la boutique. Du coup, voici le nouveau pack avec 3 skins plus 3 cadeaux. Je vous l'ai du coup montré tout à l'heure dans la vidéo précédente de la boutique. Et du coup, bah, vu que j'avais pas assez de bugs parce qu'il me manquait pas beaucoup et que je veux aussi les pioches. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y avait un petit bug avec les pioches. J'ai dû attendre que le Epic Game règle ça. Du coup, on peut enfin acheter les pioches. Du coup, ce petit pack, voilà, il y a tout ça dans la boutique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau pack. Du coup, voilà. Alors, évidemment, ce petit pack coûte 2500 V-Bucks, certes. Mais il y avait quand même 3 skins avec plusieurs costumes. 2 du costume pour ceux-là. Et plusieurs pour celui-ci, parce que du coup, il y en a un peu plus que les autres. Plus leur sac à dos, chacun. Franchement, même si c'est des skins en recyclé, comme certains disent, ils sont juste magnifiques. On est d'accord. Ah, pour ceux qui n'étaient pas... Moi, par exemple, les 3 skins qui sont devant vous, leur première version, bah, je les ai déjà achetés il y a longtemps. Genre, le Joker, c'est la saison 5. De base, je parle les versions 1 des skins. Le skin du Agent du Chaos, lui, c'est le chapitre 2, mais la saison 1. Alors que Mystique est sorti un peu plus après. Mais voilà, dans tous les cas, tous les skins sont sortis dans une période différente. Mais, bah, surtout les 3 dans le même pack, j'ai envie de vous dire, c'est assez sympa. Du coup, je vous remontre quand même les objets de la boutique pour vous montrer à quoi ressemblent les skins. Pour ceux qui n'avaient pas vu la boutique tout à l'heure, voilà à quoi ressemblent les skins masculins et féminins. Ah, franchement, c'est très stylé. Hein. Le skin garçon, voilà le petit skin Joker version. Du coup, c'est franchement stylé. Moi j'aime bien. Le sac à dos du skin, forcément. Aïe aïe aïe, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Regardez-moi les custom, les potes. Oh, franchement, les deux couleurs sont stylées. Moi j'aime bien. Après, c'est peut-être que genre, les gens. Ça dépend de ce que vous aimez, vous les potes, mais moi j'aime bien. Et bien sûr, le sac à dos du skin. Franchement, une dinguerie. Du coup, voilà à quoi ressemble le petit pack. Et du coup, on va se presser sur le pack. Je suis maintenant un bel petit bug. Du coup, la petite pioche, l'âme de son, c'est juste celle qui est au milieu. C'est avec le skin féminin. Après, vous pouvez mettre les pioches à qui vous voulez, mais ça va avec le skin féminin. La petite pioche, du coup, ici, va avec le skin, bien sûr, le Joker. Du coup, et celui-ci, le agent du chaos. Bref, vous avez compris. Du coup, je vous montre à quoi ressemble dans le lobby. Enfin, dans le salon, du coup. Comment ça ressemble à quoi. Le petit bruit. Ah, elle est magnifique, cette pioche. La pose comme ça. Et la petite pioche du YouTube. Ah, franchement. Moi, personnellement, les potes, pour ceux que j'étais... Moi, je suis là depuis longtemps. Sur fond là, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et du coup, bah, la première pioche, parce qu'on l'a eu. Je crois qu'on l'a eu gratuit cette pioche là pour le Joker, du coup, c'était à la saison 5. Et pour ceux qui étaient là dans cette période, vous avez normalement cette pioche là eu gratuitement à l'époque. Il y avait l'événement avec le Grand Caval. D'ailleurs, je sais pas si ce mode là va revenir, mais apparemment, ils ont fait des changements dans ce mode là Epic Game pour adapter à la saison actuelle. Donc, peut-être que le mode, justement, ce mode là va revenir peut-être prochainement. Du coup, ce sera plutôt pas mal si c'est revenu. Parce que le mode Grand Caval, pour ceux qui le connaissent peut-être pas ou peut-être jamais vu, parce que ça dépend en quelle période. Vous arrivez sur Fortnite, c'est un mode tellement stylé. Enfin bref, vous verrez, il y a plein de modes qui sont revenus récemment et qui vont revenir d'autres. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Du coup, eh ben, on va s'acheter le petit pack, bien sûr. Donc pour ce petit pack, ça coûte 1200 V-Bucks. Donc en vrai, voilà, moi j'aime bien ce pack. Peut-être que vous, vous aimerez peut-être pas les potes. C'est possible que vous aimez pas. Donc on va faire acheter. Moi personnellement, j'avais prévu d'acheter de toute façon. Voilà, c'est stylé, c'est stylé. Ouais, j'aime bien. Du coup, je vais mettre cette pioche là. Non, je vais mettre celle-ci plutôt en premier. Du coup, voilà les petits potes. Donc, je vais vous montrer dans le salon. Du coup, et moi j'ai mis le skin féminin pour l'instant parce que j'ai pas encore joué, mais je vais jouer avec elle tout à l'heure. On va voir comment ça va donner en game. J'ai mis la pioche, même si c'est la pioche du skin. Du coup, Agent du Chaos, c'est pas grave. Hein. Moi j'aime bien cette pioche. Du coup, je vais aller jouer ça, les petits potes. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué que les défis ont été débloqués. Pour ceux qui, comme moi, ont des bugs, avec 3 défis qui avaient des bugs, c'est un petit. Voilà, moi je les ai finis les autres défis. Ces défis là, bon, celui-là, j'ai pas encore fini. Mais celui-ci, il buguait tout à l'heure. Moi j'avais fait top 4, je crois. J'ai été atterri à Frenzy. Bon, j'avais un défi quotidien, enfin top 10. Il a marché, mais pas le top 25. J'ai pas compris pourquoi. Ce défi là aussi, il avait bugué. Tout le monde, normalement, ceux qui avaient fait le défi, ou même ceux qui n'ont pas commencé leur défi, le chemin était validé automatiquement. Ce défi là, vous êtes tranquille, mais celui-ci, je sais pas si vous avez le bug, mais j'ai fait plusieurs games et à chaque fois ça marchait pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez ce petit bug qui marche pas ce défi là. Peut-être qu'il y a que moi qui l'a, j'en sais rien.
Et du coup celui-là bah, j'ai pas compris comment c'est parce qu'il y avait trop de monde à chaque fois et du coup je vais attendre de le faire. Je le ferai en dernier, je me suis dit on a le temps les copes, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus difficile. Du coup les petits potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit abonnement bien sûr, et n'oubliez pas la petite cloche avec bien entendu. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau pack. Moi personnellement, bah vous connaissez les bases, si je l'ai acheté, si je l'aime bien, je l'attendais depuis plusieurs semaines, donc j'avais très hâte qu'il sorte enfin. Du coup, bah moi je vous laisse, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Et ciao. Et n'oubliez pas le petit code créateur, j'ai la gameuse aussi, bien entendu.